Bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme promis dans mon précédent tuto, je vais maintenant vous présenter la dernière application que je viens de mettre au point et qui s'intitule Gestion immobilière. Elle va donc principalement intéresser les bailleurs d'un ou de plusieurs biens immobiliers. Le travail, bien entendu, consiste à vous simplifier au maximum la tâche. Et vous voyez ici par exemple deux tableaux qui vont s'alimenter automatiquement grâce aux informations que vous allez enregistrer ici et ici, donc informations relatives au locataire et à la location, et bien entendu aussi grâce aux informations que vous allez remplir dans l'onglet financier et qui concernent les différentes sommes que vous recevez au titre de des locations. Et bien sans plus attendre, je vous propose de découvrir plus avant ce fichier. Nous allons déjà en premier nous intéresser à l'onglet paramètres qui contient différentes informations qui vont servir pour des listes déroulantes ou des formules de calcul ou des macros. Cette première plage de cellules, c'est simplement les biens immobiliers que j'ai créés, avec un petit détail ici. Enfin, vous voyez ici, j'ai marqué maison et puis donc salle commerciale. Donc j'ai concaténé maison et commerciale en mettant commerciale, une majuscule sur la première lettre et le reste en minuscule. Donc c'est la fonction nom propre. Et cette plage de cellules, je l'ai nommée parce qu'elle va me servir pour une liste déroulante. Alors je l'ai nommée, on ne la voit pas ici, puisque je l'ai nommée de façon dynamique, c'est-à-dire avec la fonction décalée. Et je l'ai nommée logement. On a déjà vu cette formule-là, et donc cette façon de nommer de façon dynamique une plage de cellules, ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que l'on rajoute des données en dessous, sans laisser de blanc bien entendu, la plage nommée va s'agrandir. Si vous avez besoin de revoir ce problème-là, dites-le moi et je ferai un petit tuto pour ça. La deuxième partie ici, c'est simplement les civilités, monsieur et madame, etc. Et vous voyez, je l'ai nommé civil. Les années qui vont nous servir pour la liste déroulante ici. Alors ici, année avec. Alors que j'ai nommé année comme ça, vous voyez, au singulier, sans accent. C'est mieux. Ça va nous servir dans la liste déroulante, quand on va enregistrer une opération. Alors, je crois que ça doit être celle-ci. Vous voyez, dépôt de garantie, etc. Par contre, alors j'attire votre attention sur une chose. Donc, on a le mois de janvier. Faire attention, ne tapez pas janvier, février, etc. Comme ça. Parce qu'on a besoin du mois, du mois exact, c'est-à-dire février avec un accent, le mois d'août avec un accent circonflexe, et on a décembre. Tout ça parce que quand on va aller ici, il faut absolument qu'Excel interprète cette cellule-là comme une date. Puisqu'après, j'ai des formules de calcul qui vont dépendre de cette cellule-là qui est une date. Donc pour indiquer à Excel que c'est une date, il faut absolument que le mois de février ait un accent. Donc vous embêtez pas, vous tapez le mois de janvier en majuscule et ensuite vous tirez. Et Excel affichera les mois suivants, donc avec accent s'il y a besoin. Cette partie-là, vous voyez, j'ai prévu de la marche, c'est la liste des locataires. Alors, est-ce que je l'ai nommée? Alors, j'ai dû la nommer de façon dynamique aussi. On peut certainement la voir. La voilà, elle est nommée. Donc, vous voyez, de façon dynamique, si on fait ça, il n'y en a que trois qui s'afficheront, mais au fur et à mesure qu'on rajoutera des locataires, ça descendra. Vous n'aurez pas besoin d'y toucher, elle va se remplir automatiquement. Ici, c'est la même chose qu'ici, mais avec une ligne sur deux. J'avais besoin de ça pour. Ici, vous voyez que j'ai une fusion de cellules, de deux cellules. Donc, il fallait absolument que mes locataires apparaissent une ligne sur deux. Pareil, ça va se remplir automatiquement. Vous n'avez pas à y toucher. Je vous montrerai la macro. C'est une macro. Cette cellule-là contient la date du jour. Vous voyez, avec la fonction aujourd'hui. Et je l'ai nommé ce jour, ce qui me permet donc de rentrer le nom ce jour dans une formule de calcul, c'est beaucoup plus rapide. Par exemple, ici, regardez, sur mon objet, j'ai marqué égal ce jour et ça me met bien la date d'aujourd'hui. Et cette dernière partie, j'en avais besoin aussi pour ça.
Hein, donc c'est simplement, si je reprends, c'est simplement ça, copier et coller de façon transposée. Ce que je vous propose maintenant, c'est tout de suite d'aller, de créer un nouveau locataire. Et puis, comme ça, je vous expliquerai ce qui se passe au fur et à mesure. Alors, pour pareil, hein, vous connaissez, je suis feignante, je me suis créé des boutons au lieu de passer par là. Et j'aboutis tout de suite sur l'onglet que je veux, la feuille de calcul que je veux. Donc, allez, on va se créer un locataire. Vous voyez, il y en a déjà deux qui ne sont pas classés par ordre alphabétique. C'est pas grave, puisque dans paramètres, vous voyez, ça se remet par ordre alphabétique. Allez, on y va. Alors, on va créer. Alors, on a un monsieur et madame. On va créer une madame. On lui donne un nom. Quel nom on va lui mettre? Allez, toilette. Prénom Germaine. Son téléphone, allez, 01 01 02 02 03. Alors, bien entendu, vous voyez, toutes les cellules ont été formatées, ça je vous montre pas. Je pense que vous savez le faire. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à m'interpeller, hein. Et on va mettre son adresse mail. Alors, pour annuler le lien hypertexte, vous savez, quand une adresse mail, on tape une adresse mail, ça se met en bleu et ça se souligne. Et si on clique dessus, aussitôt, ça ouvre la boîte de dialogue pour envoyer un mail. Alors, pour éviter ça, il suffit simplement de taper une apostrophe, pardon, en premier. Allez, on y va, on crée une Toinette Germaine, @gmail. Comme voilà, bon, c'est pas grave si on voit pas tout, hein. On le voit ici en cliquant sur la cellule, et vous voyez, je n'ai pas le lien hypertexte d'activer, hein. Ça reste bien en noir. On va lui dire, donc on va lui attribuer un logement. Donc, et ben, ça sera, on voit que la maison de Commercy et de Somme-Dieu est déjà louée. Alors, j'ai pas mis de formule pour vérifier que le logement n'est pas loué à deux personnes différentes en même temps. Ça, je pense qu'on ne va pas faire ce genre de bêtises. Donc, il nous reste l'appartement à Nancy. Bien entendu, vous voyez ici tout de suite les renseignements concernant l'appartement qui s'affichent. Tout simplement, on utilise la fonction index équive. Ça va simplement aller chercher les renseignements dans l'onglet paramètres ici. Je retourne à ma location. Voilà. On va dire qu'elle rentre. Alors, on est au mois de septembre. On va dire qu'elle rentre le 1er août. 1er août. Bon, date de sortie, pour le moment, il n'y en a pas. Le dépôt de garantie. Alors, c'est pareil. J'ai jamais été bailleur, donc si je fais des erreurs d'interprétation au niveau de la loi, hein, s'il y a des règlements qui ne sont pas conformes à la loi concernant les locations, n'hésitez pas à me le dire et il faudra que je corrige éventuellement. Je crois savoir que le dépôt de garantie ne peut pas être supérieur à un mois de loyer. Donc on va mettre le dépôt de garantie donc à 500, un mois de loyer, et on va mettre le loyer à 500 euros aussi. J'ai rempli toutes les informations, il suffit donc maintenant que je clique sur ce bouton et vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir ce qui se passe. Alors, par contre, là, j'ai un petit truc, mais c'est pas grave, je vais corriger mon erreur. Vous voyez que Toinette a été rajoutée dans la liste des locataires, et là aussi, mes locataires sont classés par ordre alphabétique. C'est parfait. Je retourne sur l'onglet location. Par contre, alors, on va aller regarder donc ce bouton-là qui provoque l'enclenchement d'une macro. On va aller regarder la macro. Bon, je vous explique grosso modo ce que c'est. Ça prend tout ça, ça le copie et ça le colle de façon transposée. Là, c'est vertical, là, on va l'avoir horizontal. Pareil ici, ça va recopier tout ce qui est là et ça va le coller au bon emplacement. Donc, logement loué, logement le là, logement maison de commerce, enfin appartement de Nancy, etc. C'est tout simple. Entrée, ça ira le chercher. Ça va le copier et ça va le mettre ici. Donc, on avait dit 1er août, etc. On regarde la macro parce que j'ai une petite chose. Alors, vous voyez la partie locataire qui dit donc tu sélectionnes des 4, des 9, tu le copies et tu vas donc le recopier, enfin le coller en transposé, c'est-à-dire si c'était vertical, ça deviendra horizontal, sur la dernière ligne de mon tableau, c'est-à-dire la dernière ligne, c'est ici,
J'ai défini ça aussi, vous connaissez la dernière ligne, la voilà, dernière ligne. Et dernière ligne, je l'ai définie, c'est la cellule 5000, 50 000 même. On monte, ligne plus 1 pour que ça aille se mettre juste en dessous. Si je vais trop vite ou si j'explique mal, n'hésitez pas à m'interpeller, hein. Donc, j'ai bloqué mon écran parce que. Alors, la même chose pour la location. Donc là, ça sera G4, G5. G4, non pas G5, G9. Alors si, G4, G5, parce qu'on a une fusion de cellules. Donc il faut que je mette G4, G5 pour cette cellule qui apparaît en G4 ici. Et on la met ici en colonne H et dernière ligne. H et dernière ligne. Quand il y a une fusion de cellules, il faut y aller petit à petit, sinon ça décale. Donc G6, G9, hein, la suite. G6, G9, ça ira se coller ensuite. Sur la dernière ligne ici. Ensuite, qu'est-ce que ça fait d'autre? Alors pareil ici, H5, H6, c'est la date d'entrée, fusion de cellules. Donc il faut y aller un par un pour être sûr que ça aille bien se caser sur date d'entrée, date de sortie, etc. Ensuite, donc ça c'est le dépôt de garantie, le loyer mensuel. Alors j'ai marqué transpose, là il n'y avait pas besoin. Ah bah oui, j'ai marqué, j'ai mis false. Parce qu'on n'a qu'une seule, enfin une seule cellule, une seule valeur. Ensuite je dis. Ah oui, on va le voir ça. Je dis de concaténer ce qui se trouve en colonne C et la dernière ligne, un espace et ce qui se trouve en colonne D et dernière ligne. On va. Donc ça c'est sur la colonne R, ça correspond à ça. C'est pour avoir un nom correct de locataire. Bon, je me suis abstenu de faire un monsieur, madame, monsieur, monsieur. Si vous voulez le faire, vous pouvez, hein. À ce moment-là, il faudra rajouter juste ici. Alors, range B et dernière ligne, point value et l'espace et on rajoute tout ça. Ah oui, alors donc après Excel, donc ça on le voyait pas, alors pourquoi? Pourtant j'ai bien marqué sheet de location. Excel va aller sur l'onglet paramètres, tout simplement pour aller inscrire ce qu'on a vu ici en dernière ligne, mais dernière ligne de l'onglet paramètres, donc il ne faut pas que j'utilise le terme dernière ligne, c'est pour ça que j'ai nommé une autre variable, derlog, que je crois que je l'ai appelé, pour aller inscrire le nom du locataire. Vous voyez, derlock. Derlock, c'est la dernière ligne de la colonne O. J'ai mis que 5000, hein, ça m'étonnerait que vous ayez 5000 locataires. Et plus 1 pour descendre d'une ligne. Donc, Excel va monter, 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 s'arrêter où il trouve une donnée. Et ensuite, je lui demande de descendre d'un pour aller inscrire le nom du dernier locataire que je viens d'enregistrer. Donc, je lui dis bien donc d'aller sur paramètres et de revenir sur location. Donc ça doit être ici qu'il y a il manque une ligne. Alors trilocataire, tout simplement, c'est ça. Une fois que les locataires ont été, enfin le dernier locataire a été inscrit, je demande à ce qu'il trie tout ça de façon à l'avoir alphabétique. C'est plus facile dans une liste déroulante. Donc je pense que ça ne doit pas être ça, mais on va aller quand même vérifier trilocataire. Alors on ne perd pas de vue, on est sur l'onglet location. Alors, trilocataire, c'est dans les macros divers. Trilocataire, je lui dis d'aller sur l'onglet paramètres. Et je lui dis bien de revenir sur l'onglet location. C'est parfait. Donc, c'est pas ici que j'ai une erreur. Alors, locataire bord, on va regarder ce que c'est. C'est une macro divers. Voilà. Ah oui, alors, locataire bord, c'est simplement la macro qui va permettre à Excel, dans l'onglet paramètres d'inscrire la liste des locataires une ligne sur deux. Hein, on en aura besoin, comme je vous disais, ici. Donc, je me remets sur location. On revient ici. Donc, locataire bord. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme bord. Alors, j'ai bien bloqué mon écran. On est toujours sur l'onglet location. Je lui dis d'aller sur paramètres. Je définis deux variables, NB et ligne bord. NB, c'est ce qui se trouve en P1. Dans paramètres, on y va. P1 paramètres, voilà, c'est ça. Ça compte le nombre de cellules non vides à partir de O2. Hein, O2, voilà. Donc on a trois locataires.
Donc le nombre, c'est fait ligne bord, ligne bord, ligne bord. Donc c'est pareil, c'est pour. Alors j'efface déjà tout ce qui se trouve ici. Enfin, je l'efface avec celle qui l'efface. Ensuite, je détermine ma dernière ligne bord. Alors qui se trouvera. Ligne bord. Là voilà. La dernière ligne, ça sera toujours la même formule pour trouver la dernière ligne qui est occupée, mais au lieu de rajouter 1 pour descendre d'une ligne, je rajoute 2 pour avoir une ligne. Alors vous voyez ce qu'a fait Excel, il est monté, il est monté, il est monté, il s'est arrêté ici, et je lui dis après 2 plus 2, il va se figer ici pour inscrire la première valeur qu'il trouve ici. Et j'indique donc, je fais une boucle, donc de i égale 1, tout nb, donc le nombre de locataires, je vous remonte, là ça sera 3. Je lui dis de comment remplir la cellule Q et ligne bord, la première ligne vide de la colonne Q dans paramètres, je lui dis de la remplir avec ce qu'il trouve dans la colonne O et i, donc i ça sera 1. Plus 1, ça fera 2. Alors pourquoi 2 plus 1 On va regarder concrètement ce que ça passe. Donc ici, on a i qui est égal à, pour la première boucle, qui est égal à 1. Et je lui dis, donc pour i égale 1, oui, ce qui est logique, il faut qu'il descende, c'est à cause du titre, il faut qu'il descende d'un. Donc quand i égale 1, Excel va se mettre ici, descendre de 2 lignes. Et recopier ce qu'il y a en O et ligne 1 plus 1, ça fait O2. Ensuite, il descendra de 2 lignes. Ce qu'on trouve ici, ligne bord égale ligne bord plus 2. Je lui dis donc de descendre de 2 lignes, 1, 2. Et, pardon, il ira chercher l'information qui. Alors là, on est à i égale 2. Alors, 2 plus 1 égale 3, à cause de ce titre qui. Comment? Qui a en A1, c'est pour ça que j'ai rajouté 1, et il ira l'inscrire où il se trouve, c'est-à-dire ici. Et il descendra de 2, donc là on est à i égale 3, il ira chercher l'information qui se trouve dans la colonne O et i 3 plus 1, 4, O4, et il ira la recopier ici. J'espère avoir été clair sur le principe de la boucle. Vous voyez, et c'est donc ici, on est dans paramètres et j'ai oublié de rajouter, de se remettre sur l'onglet location. Donc je le rajoute, sheets location. Alors bien faire attention, hein, majuscule LO location point select. Et je débloque mon écran. C'est pour ça qu'on s'était retrouvé sur l'onglet paramètres. Au lieu de se retrouver sur l'onglet location. Bon ben voilà donc pour l'enregistrement d'un locataire et de la location correspondante. On va aller regarder ce qui s'est passé sur l'onglet bord. Regardez, elle a été rajoutée. Tout simplement, ici il y a une formule qui dit que dans cette cellule, on doit Excel doit inscrire ce qu'il trouve en Q7. On peut aller regarder. Q7, Q7, on est bien à Q7, c'est bon, il trouve Toinette Germaine, donc il met là. Si on a un autre locataire, donc ce qu'il faudrait faire, à ce moment-là, on peut le faire, hein, on fait, est-ce que on va utiliser seulement celle-ci? Je copie et je colle, et vous voyez ici, Q9, il n'y a rien en Q9, c'est pour ça qu'il n'inscrit rien. Et donc, je vais annuler ce que j'ai fait. Voilà. Hein, donc ça donne cette fonction si paramètres, si Q7 de l'onglet paramètres n'est pas vide, alors tu inscris ce que tu trouves en Q7 dans l'onglet paramètres. Sinon, si c'est vide, ben, tu n'inscris rien. Et j'ai rajouté une. C'est ici sur rien. Et j'ai rajouté à titre de précaution ce que je n'ai pas fait. Ah ben là on ne le voit plus parce que j'ai enregistré un truc à locataire. J'ai mis l'instruction si erreur de façon à ne pas avoir NA ou REF ou je ne sais quoi, un message d'erreur, hein, tout simplement. Donc, bien entendu, alors on a le locataire. La même chose ici, je lui dis, alors en utilisant la map, par contre,
la fonction index equiv. Alors, index location B15 R1000, il va donc sur location là. Et bon, je me suis mis de la marge. Il va aller regarder tout ça. Je suis même pas si pour lui prend le ça. Il va jusqu'à 5000. Et comme je ne connais pas la ligne, j'utilise la fonction equiv. Et dans equiv, je lui dis tu vas me chercher ce qui se trouve en A28 bord, c'est-à-dire fenêtre germaine. Tu vas le chercher dans la colonne R15 R1000 de location. Donc souvenez-vous, c'est ici. Dès qu'il aura trouvé Toinette Germaine qui correspond à ça, dès qu'il aura trouvé Toinette Germaine, Excel dans sa petite tête va mémoriser le numéro de la ligne. C'est 17. Donc une fois qu'on a déterminé le numéro de la ligne grâce à la fonction equiv, à ce moment-là, je lui dis, tu inscris ce que tu trouves en ligne 17, colonne 7, et bien colonne 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on a bien appartement de Nancy. Ligne 17, colonne 7, on retourne sur bord, et on a bien, j'entre, donc là j'ai fait une erreur, j'avais dû changer, et on a bien appartement Nancy. La même chose et en indiquant le bon numéro de colonne. C'est-à-dire que Excel va aller chercher Toinette, il va aller le chercher dans le. Pourquoi ça? Il faut que je fasse ça. Attendez, je le fais tout de suite parce que sinon après, je vais être. Voilà, je ne veux pas t'appeler. Donc j'en étais. Ce que va faire Excel? Excel va lire ce qu'il y a en A28. A28. Donc, il lit Toinette Germaine, il va aller sur location, il va chercher Toinette Germaine dans la colonne R de location. Ensuite, il va mémoriser le numéro de la ligne où se trouve le terme Toinette Germaine. Et en dernier, donc, il mettra ce qu'il trouve en ligne 17 dans l'onglet location. Ligne 17, colonne 7 à partir de. BK, non, oui, B, la colonne B. Donc, je résume, ligne 17, on a commencé notre plage à la colonne B, donc la septième colonne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, appartement de Nancy. Et c'est la même chose pour les autres où là, je change le numéro de colonne. Pareil ici, donc le dépôt de garantie, il est en colonne 14, on peut vérifier. Location, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dépôt de garantie. C'est bien ça. Donc voilà encore l'utilisation de la fonction index equiv. Equiv nous permet de déterminer le numéro de la ligne et l'index de recopier ce qu'il trouve en colonne qu'on aura donc indiqué ici et numéro de ligne qui va se déterminer en fonction de ce qu'il trouve avec la fonction equiv. Voilà cette première partie du tableau qui est complète. On va alors imaginons par exemple location, on va le faire. On va dire qu'elle se terminera. Ah ben je ne peux plus là maintenant. Mais on peut remplir le tableau manuellement, hein, sans passer par ça. On va dire qu'elle sort le 31 décembre. Elle s'en ira. Et on va les regarder. Bord, 31 décembre. Ça c'est bien. Afficher. Alors surtout ne pas effacer ici. Regardez, vous avez la formule. Hein. Toujours passer par les onglets intermédiaires. Je retourne, ça c'est bien effacé, mais ma formule est bien restée. On va maintenant commencer à faire un enregistrement, mais je voudrais déjà attirer votre attention sur cette partie grisée. Vous remarquez que, alors il y a bien des formules sur chaque cellule. Hein. Regardez, je clique. Mais on ne voit rien, c'est grisé tout simplement parce que elle rentre le 1er août et donc 1er juillet, etc. On ne doit rien. Et j'ai fait ça pour pour une question de confort de vue et j'ai fait ça grâce à une mise en forme conditionnelle. On va aller la voir, gérer les règles. Là voilà, la mise en forme conditionnelle. On va aller la regarder. Je dis que si C24, alors C24 est supérieur à I. 21, alors. Ok. Alors, C24. C24.
date d'entrée. Alors c'est 24, ou ça commence à la ligne 24, mais là ça sera donc c'est 28 là. 24, 26, 28. Donc si c'est 28 est supérieur à, je ne sais plus le truc, on va aller la rechercher. I21. I21, vous remarquez, j'ai figé ma ligne. I21, c'est ça. C'est la fin du mois. Donc si la date d'entrée est supérieure à la fin du mois, à ce moment-là, il n'y a pas lieu de voir comment, quelque chose. Ça veut dire que Madame Toinette, là par exemple, elle va rentrer après le 31 janvier. La même chose pour ça, la même chose pour ça. Ça décale d'autant, tout en restant sur la même ligne, 21, mais ça décalera des colonnes, étant donné que je n'ai pas figé la colonne. Cette feuille de calcul, regardez bien. Ma colonne I n'est pas figée, donc ça fera IJ, etc. Donc tant que la date d'entrée n'atteint pas la fin du mois concerné, alors ici par exemple pour le mois d'août, vous voyez, c'est pas grisé tout simplement parce qu'elle rentre le 1er août, et ici on est au 31 août. Et on voit donc qu'elle doit son loyer, mais ça on va le regarder, on regardera les formules après. C'est juste une petite question de confort, hein, là. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si on ne le fait pas, vous verrez des zéros s'afficher, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Ben maintenant, on va pouvoir passer les écritures. Donc, on est au mois de septembre. Elle doit payer le dépôt de garantie. Elle est rentrée le 1er août et elle doit payer son loyer du mois d'août. Donc, je vais passer donc les financiers pour les écritures concernant les paiements de Madame Toinette. On y va. On va déjà s'occuper du dépôt de garantie. Donc, elle est rentrée dans les lieux le 1er août. On va dire qu'elle paye son dépôt de garantie le 5 août. Le locataire, Madame Toinette, le logement. Vous avez vu l'écran un petit peu trembler. Ça signifie que quelque chose s'est passé en arrière-plan. Je vous l'expliquerai après. Donc, son logement, c'est l'appartement de Nancy. L'année concernée, c'est 2019. Le mois concerné, c'est pas tout à fait le mois, mais l'opération concernée, donc c'est le dépôt de garantie. Et elle a versé donc 500 de dépôt de garantie, ce qui était prévu, hein. Pas de commentaire à faire. Ici, on a une formule de calcul qui additionne cette ligne-là, éventuellement, si on reçoit quelque chose de la CAF, mais là, c'est le dépôt de garantie, hein. Donc, on n'est pas concerné. Avant de valider l'opération, je vais vous expliquer quelques petites subtilités. J'ai, avec la fonction index et équive, j'ai fait un rappel du loyer de Madame Toinette, le loyer mensuel de 500 euros. Donc je pense que là je vous réexplique pas le comment je ne vous réexplique pas la formule, hein, index équive, vous connaissez. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'interpeller, à ce moment-là je ferai un petit tuto pour cette partie-là. Ici, locataire, on a une validation des données, hein, une idée déroulante, donc validation des données, on va aller regarder ce que c'est, données, validation des données, et donc c'est une liste et qui prend en compte les valeurs qui sont dans la plage nommée locataire. On a vu où, ce que c'était, hein, je vous la remontre, locataire, c'est ça. Financier. Donc l'appartement. Donc vous avez vu, ce n'est pas la liste des logements qui s'affiche, mais simplement le logement attribué à Madame Toinette, le ou les, parce qu'on peut avoir aussi un locataire qui s'occupe de, enfin qui, c'est pas qu'il occupe plusieurs logements, mais qui loue plusieurs logements, par exemple un père de famille qui loue deux logements. Donc le locataire, ce sera le nom du papa, mais il y aura un logement pour sa fille et un logement pour son fils, par exemple, hein, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ici, on a simplement une valeur unique, et vous souvenez-vous, c'est là que mon écran tremblait, tout simplement parce qu'il y a un filtre avancé qui s'effectue en arrière-plan. Je vous montre le filtre avancé, ben, on tombe justement dessus. La zone de critère, la voilà. Donc ici, on a cette cellule-là, elle reprend ce que Excel voit en D4 dans l'onglet financier, c'est-à-dire le nom du locataire.
Et ensuite, donc, le filtre avancé s'effectue. Alors, je vous montre la macro du filtre avancé. Ça, j'en ai pas besoin. Je vais le réduire. Filtre avancé, donc, c'est dans les macros divers. Voilà. Filtre. Filtre local, locataire, location par locataire. C'est simplement, donc, voilà la formule du filtre avancé. Donc, moi, je ne me suis pas embêté, hein. J'ai utilisé l'enregistreur de macro. Je vais vous montrer comment on fait un filtre avancé. Il y a un tuto, hein, déjà pour ça, mais un petit rappel, ça fait pas de mal. Alors, on y va. Filtre, alors, on est dans Données, filtre avancé. Le voilà. On copiera donc sur un autre emplacement ma plage. La plage à analyser. C'est donc celle-ci. Ça va jusque R, même s'il y a une colonne vide, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Bien prendre les en-têtes de colonne, c'est ça qui est important. La zone de critères, je vous l'ai montré, c'est celle-ci. Et copier où? Et bien copier tout simplement ici. Alors c'est pareil, il faut bien prendre en considération tout le truc. Voilà, extraction sans doublon. On aura exactement le même résultat. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, cette cellule-là. Donc, comme je vous disais, imaginons qu'un locataire loue plusieurs logements. On aurait une plage nommée un peu plus longue. Cette plage-là, je l'ai nommée logement. On ne le voit pas ici parce que je l'ai nommée de façon dynamique. On va le retrouver ici, gestionnaire de nom, logement. Non, ce n'est pas logement. Je me suis trompé, c'est location par locataire. Loc par locataire, la voilà. Et vous voyez, comme il n'y a qu'un seul logement concerné, il ne met en surveillance qu'une seule cellule. D'où le truc, quand on est ici, qu'on fait la liste déroulante, il n'y a qu'une seule proposition, puisque Madame Toinette n'occupe, enfin, ne loue qu'un seul logement. Bon, l'année concernée, c'est pareil, c'est une liste déroulante, validation des données, une liste, et j'ai pris la plage de cellules nommée en. On l'a vu en début de tuto, ça. Dépôt de garantie, donc ça, c'est la liste, une validation des données avec la liste de tous les mois plus dépôt de garantie. Ici, on est sur un dépôt de garantie. Montant reçu du locataire, bon, là, il n'y a rien. Ici, on a donc une petite formule de calcul. Et c'est tout. Alors, ce que va faire la macro, ah, j'ai oublié de vous préciser, je vais le faire tout de suite, quand il y a le filtre avancé. Vous voyez que mon filtre avancé, voilà, il est dans un module. Par contre, je n'ai aucun bouton qui appelle cette macro-là, tout simplement parce qu'elle s'enclenche automatiquement quand je clique sur la cellule D5. Et ce truc-là se fait en mettant une macro dans la feuille de calcul et non plus dans un module. Et là, voilà la macro. La macro, vous avez déjà vu ce genre de truc. Ça veut simplement dire que quand la cellule D5 est activée, à ce moment-là, on lance la macro filtre, la macro du filtre avancé. J'ai une condition avec if, je ferme bien entendu ma condition avec nif, hein, surtout ne pas oublier ça. Que va faire maintenant donc ce petit bouton-là qui va appeler une macro? Il va simplement se contenter de copier ça, enfin de copier ça et de le coller sur la première ligne vide, donc il le mettra là, 1, 2, 3, 4, donc de façon un collage transposé. Par contre, une petite spécificité pour dépôt de garantie, enfin pour cette ligne-là, vous remarquez qu'ici, par exemple, si j'avais choisi le mois de juillet, hein, s'inscrira automatiquement ici, août, suivi d'un espace, suivi de l'année. On est obligé de prendre cette précaution-là, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce que ici, on a des formules de calcul. Si ici j'avais simplement marqué janvier, février, mars, etc., dans la fonction somme ci ensemble, il aurait pris donc toutes les sommes payées au mois de janvier, quelle que soit l'année. Or, ce qui est très important, c'est de bien faire le distinguo entre les différentes années. Je vous le montre, regardez bien par exemple pour le mois de juin pour Monsieur Aubertin. Si on prend l'année 2020, il n'a rien versé. C'est tout à fait normal. Hein.
Par contre, 2019, effectivement, au mois de juin, il a payé 300, juin 2019, il a payé 350. Il fallait absolument prendre cette précaution-là, sinon les résultats des formules auraient été bons, comment dire, sur les montants, mais dans la réalité, janvier, ça comprenait janvier 2019, et puis en 2020, ça aurait compris janvier 2019 et janvier 2020. D'où cette précaution à prendre. Je reviens sur financier, donc pour bien préciser, on va le voir de toute façon dans la macro, que quand on indiquera un mois ici, ça ajoutera un espace et l'année. Je vais remettre tout de suite mon dépôt de garantie, pour pas me tromper. Le reste, ça continue, donc 500 ira se mettre en colonne G, etc. C'est-à-dire qui copiera tout ça et ira le mettre à partir de la colonne G en horizontal. On regarde la macro correspondante, donc c'est du transfert, transfert paiement. Là voilà. Donc ça redit ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que déjà en premier, on détermine la dernière ligne ou la première ligne vide de notre tableau. Donc je me suis basé à partir de la colonne C, j'aurais pu prendre B. J'ai pris C parce que imaginons qu'on oublie de mettre la date ici, ça n'a pas une grosse importance. Par contre, le nom, on est obligé de mettre. Donc c'est pour ça que je voulais absolument avoir la certitude d'être sur la bonne ligne. C'est pour ça que j'ai pris C. Donc on calcule alors où c'est la ligne. Vous voyez, c'est donc la première ligne vide de la colonne C, d'où le plus 1. Il copie donc, il sélectionne D3 à D6, il le copie et il va se mettre en colonne B sur la ligne qu'il a trouvée par cette formule-là et il fait un collage avec transposé. Collage en valeur et transposé. Pour donc le dépôt de garantie, hein, donc si la colonne D7, hein, c'était C7-ci, si c'est égal à D7, à ce moment-là, en colonne F et sur la première ligne vide, donc qui est la même que celle-ci, il inscrira dépôt de garantie. Et en colonne K, toujours sur la même ligne, il inscrira aussi dépôt de garantie. Par contre, si ce n'est pas dépôt de garantie, ça sera soit janvier, février, etc. Il inscrira en colonne F la valeur de D7, donc c'est-à-dire janvier, février, etc. En plus, enfin plus et un espace, qui se traduit par ça. Guillemets, espace guillemets, c'est une valeur alphabétique, et ce qu'il trouve en colonne B6, c'est-à-dire l'année. D'où juillet, le mois, qu'on trouvera ici, si on met juillet là, par exemple, juillet, espace et 2019. On continue l'exploration de notre macro, donc c'est pareil ici, par contre en colonne K, il ne mettra que le nom du mois, ce qu'il trouve en B7, quand on indiquera un mois. On n'aura pas besoin de l'année. Ensuite, il sélectionne donc les cellules D8. Ah ben ça, on l'a vu. Non, de D8 à D11, il continue donc à copier ce qu'il y a en dessous et il va le coller à partir de la colonne G. Il va le coller de façon horizontale. Transposé. Et ensuite, il efface tout notre cadre ici, sauf une cellule, c'est la D10, puisqu'il y a une formule. Et on le voit ici, il sélectionne D3 à D9, il efface le contenu, et il sélectionne D11 et il en efface le contenu, et ensuite, il va se mettre en A1. Alors, par contre, cette petite instruction, je l'ai rajoutée quand on fait un copier. Vous voyez, vous avez un petit scintillement. Et pour supprimer, on fait un échappe quand on est sur notre feuille de calcul. Et bien, cette ligne-là, elle correspond à l'échappe, c'est-à-dire pour effacer les petits scintillements, c'est-à-dire désactiver, entre guillemets, la cellule. Je pense que j'ai été claire, assez complète. Alors, on va y aller tout de suite. C'est pas la peine d'attendre. Alors, est-ce que c'est sur celui-là? Voilà. Sur la même ligne, mais beaucoup plus loin. J'ai refait un petit tableau qui se complète tout seul. Vous n'aurez pas à intervenir là-dessus. Et qui reprend donc le nom du locataire de la ligne 15, etc. L'année, pareil,
Donc avec le choix de la colonne, c'est-à-dire que si c'est 15 n'est pas vide, c'est 15, vous savez, c'est là où il y a le nom du locataire. Si c'est 15 n'est pas vide, alors ici, tu inscris donc ce que tu trouves en E15, bah, c'est-à-dire l'année E15, vous voyez, colonne E, et ainsi de suite. Pour donc le mois, c'est les fameux dépôts de garantie ou juin 2019, etc. Et alors j'ai eu besoin de fixer le numéro du mois. Alors bien entendu, pour dépôt de garantie, il n'y a pas de mois. Donc j'ai rentré une formule et je lui dis que si AC15, c'est celle-ci, c'est égal à dépôt de garantie, à ce moment-là, tu indiques 0. Et si, alors là, deux conditions, AC15 est différent de dépôt de garantie, donc ça sera automatiquement janvier 2019, février 2019, etc. À ce moment-là, alors là, ça c'est la première condition. La deuxième condition, c'est pour ça qu'on a ce et. Il faut que absolument que AC15 soit différent de rien du tout, qu'il y ait quelque chose dans AC15. Et à ce moment-là, je demande à Excel de dégager le numéro du mois de la cellule F15. Alors F15, on va la reprendre. F15, ou F quelque chose, hein, c'est ça. Alors souvenez-vous, ça c'est la concaténisation de deux valeurs alphabétiques. Mais une fois que le travail est fait, Excel reconnaît que c'est une date. Je ne sais même pas si, vous voyez, il a marqué spécial ici. Alors spécial, si on regarde, on va regarder format cellule. Oui, numéro de téléphone, c'est pas un numéro de téléphone. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a marqué spécial. Bon, ça fait rien. En tout cas, Excel reconnaît que c'est une date. Et à partir du moment où c'est une date, il peut en extraire le mois. Et on le voit ici. Juin, c'est bien le sixième mois. Souvenez-vous, la fonction mois renvoie comme résultat le numéro du mois, pas le nom complet du mois en lettres. Et donc, j'ai appelé cette colonne-là mois classé, c'est simplement pour mon tableau croisé dynamique. Si j'avais pas fait ça, les mois seraient apparus par ordre alphabétique. Donc, on aurait eu en premier août, etc. Et je trouvais beaucoup plus logique de faire apparaître les mois par ordre chronologique. Ici, bien entendu, toujours pareil, si C15 n'est pas vide, à ce moment-là, tu m'indiques que ce qu'il y a dans I15 et I15, c'est le montant versé. I15, II, voilà, ici, hein. Ce petit tableau, donc, qui se remplit automatiquement, vous n'aurez pas à y toucher, c'est pour ça que je l'ai mis assez éloigné, va nous servir pour faire un tableau croisé dynamique pour... alors, je sais plus si... je crois que ça doit être celui-là, il semble. J'en suis pas sûr. Non, ça sera peut-être bien celui-là. Oui, regardez. Juin, juillet, août. Et ça a pu se mettre dans cet ordre-là parce que j'ai fait précéder le mot du mois par un chiffre suivi d'un point, tout simplement. Donc voilà, on va continuer notre truc. Donc une fois qu'on a renseigné tout ça, on appuie sur ça et vous voyez, ça s'est recopié de façon horizontale. On peut aller vérifier plus loin. Normalement, Germaine, voilà. Toine et Germaine 2019, dépôt de garantie. J'ai rien touché et ça c'est fait. J'ai rien touché tout simplement parce que la formule que j'ai mise ici et ensuite je l'ai recopiée sur toute la colonne, colonne par colonne. Ou comme ça, un copier où on tire tout simplement jusqu'en bas. Petite observation, j'ai figé la colonne, par exemple ici, j'ai figé la colonne sécurité de façon à ce que ça, sur la ligne suivante, ça n'aille pas se mettre ici, par exemple. Hein. Mais enfin, en principe, ça ne le ferait pas. Hein. Bon, on a enregistré donc le dépôt de garantie. On va maintenant, tiens, on va jeter un coup d'œil sur notre tableau de bord. Regardez, elle a payé son dépôt de garantie. Souvenez-vous, avant ici, il y avait 0 et ici, il y avait moins 500 parce qu'elle n'avait pas encore payé. Pour les formules, on verra ça plus tard, l'explication des formules. On va maintenant s'occuper du paiement du loyer ici. Et on retourne, on refait la même chose. Donc c'est le loyer du mois d'août, on va dire qu'elle le paye le 10. Le locataire, toujours Madame Toinette. Mon petit filtre avancé qui s'est fait, vous voyez, ça a été rapide. C'est son appartement de Nancy.
l'année concernée 2019, on peut taper directement, hein. Si on tape autre chose que ce qui est prévu dans la liste, par exemple, je vais taper ça. Vous voyez, j'ai un message d'erreur. 2019. Le mois concerné, donc ici, c'est le mois d'août. Et on va dire qu'elle le paye 300 sur les 500. On n'a pas reçu d'APL, hein, le propriétaire n'a pas reçu d'APL de la CAF. Et ici, on peut mettre une petite annotation, solde payable en fin de semaine. Voilà, et je valide. Vous voyez, les 300 sur les 500. Et notre petite annotation est toujours pareille, sur la même ligne. Les 300. C'est parfait. Qu'est-ce que ça donne au niveau de notre tableau de bord? Vous voyez, elle a payé 300 et il reste 200 à payer. On va en profiter pour s'occuper des graphiques. On va déjà s'occuper de celui-là. Donc celui-là, c'est la répartition des revenus immobiliers. Donc on voit ici dépôt de garantie, etc. Mais alors avant de traiter ce graphique-là, il faudrait mieux déjà que je vous parle du tableau croisé dynamique. Alors je me suis fait, voilà, donc voilà, c'est celui-là. J'ai essayé de respecter une certaine concordance rouge et donc rouge. Donc on est bien dans l'année 2019. Hein, vous voyez, on a un filtre. Je vais peut-être même vous le montrer, ce tableau croisé dynamique. Voilà, je vais le mettre au-dessus de ça. J'ai mis en filtre l'année et dans les étiquettes de ligne, j'ai mis donc les mois classés. Donc les mois classés, souvenez-vous, c'est mois classés, c'est ça, cette colonne-là. Et en dessous, j'ai mis le nom enfin le nom, les locataires. Et en résultat, en valeur, je veux la somme totale versée par locataire et par catégorie. Ce qui nous donne ce résultat-là. On peut. Alors j'ai oublié de vous préciser une chose, c'est la source de ce quoi, tableau croisé dynamique. Je vais vous le montrer. Ben, vous devez vous en douter. Je vais mettre changer la source. Ben, c'est simplement le fameux tableau violet. Alors comme c'est un tableau, vous voyez, tableau 1, je ne l'ai même pas nommé, j'aurais pu. Excel ne s'est pas occupé des en-têtes de colonne. Comme c'est un tableau, il sait que la ligne du dessus, c'est les en-têtes de colonne qui serviront d'étiquettes. Les fameuses étiquettes, les voilà, hein, que je déplace comme je veux en fonction du résultat que je veux obtenir. Ici, une petite macro que je n'ai pas fait ici, on en profitera pour le faire. C'est pour mettre à jour nos données, comme j'ai rajouté des paiements. Donc un petit clic et hop, ça rafraîchit. Donc à partir de ce tableau croisé dynamique, on va pouvoir faire le graphique. Alors petite précision, regardez ici, dépôt de garantie, on a le détail de nos déversements. 1 250, si on fait le calcul, c'est la somme de tout ça. Bon, personnellement, moi je préfère le voir comme ça, mais si on a besoin de connaître, pour le mois de juin, on n'a que Monsieur Aubertin, on n'avait pas les deux autres locataires. C'est juste à vérifier. Hein, au mois de juin 2019, on le voit ici, juin, on a bien un locataire là, là le logement est vide parce que c'est grisé, et là aussi. Bon, à partir donc de ce tableau croisé dynamique, bien entendu, j'ai fait le graphique que voilà, et qui donc m'indique, fait la répartition des revenus immobiliers en fonction de la, entre guillemets, de la catégorie, c'est-à-dire dépôt de garantie ou le mois concerné. Une petite observation sur ce graphique-là, moi il y a un truc qui me dérange passablement, c'est ça. 37%, c'est pas parlant pour moi. Hein, un graphique, ça doit être parlant. Je préférerais avoir les sommes plutôt que les pourcentages. Il suffit donc de cliquer avec le clic droit de la souris et on a donc nos quatre étiquettes qui sont sélectionnées. Clic droit de la souris, mise en forme des étiquettes. Et vous voyez ici c'est marqué pourcentage. Je ne veux pas le pourcentage, je veux la valeur. Regardez, c'est déjà plus parlant. Bon, les étiquettes, on les place comme on veut. On peut les mettre sur le bord extérieur. Vous voyez, ça touche le bord de la portion. Bord intérieur, bord extérieur, ça se met en dehors de la portion. Là, c'est affaire de goût. Ou ajuster. Alors, ajuster, je ne sais pas ce que ça donne. Ben, tiens, pourquoi pas ça? Ouais, pourquoi pas? C'est comme vous voulez. Ou soit au centre, ça élargit un petit peu le truc. C'est comme vous voulez. On pourrait éventuellement aussi
si on voulait personnaliser un peu plus. Donc je les ai colorisés en jaune. On peut choisir une autre couleur si vous voulez, hein, pour vous montrer. Là, elles sont en orange. Je préfère mon jaune clair, je les mets en jaune. Et on peut leur donner, si vous voulez, un petit effet relief, donc un format 3D. Et on choisit notre format 3D. Alors, allez, il faut que je clique pour voir. Soit ça, soit c'est affaire de goût pour chacun. Ça, j'aime moins bien celui-là, peut-être, et un peu plus livide. Voilà. Ici, donc là, on est. Alors, est-ce que je vais réussir à voir? Là, on est dans la zone de traçage. Et ici, j'ai mis, alors, dans la zone de graphique, format zone de graphique, j'ai colorisé. Remplir avec une image ou une texture, et qu'est-ce que j'ai fait, moi je ne sais plus. Ah, j'ai mis une image à moi, hein, on pouvait faire un remplissage uni si vous voulez, voyez, par exemple choisir notre couleur, rouge, ça risque peut-être de faire mal aux yeux, image, ça me reprend ça. Bon, là c'est pareil, c'est affaire de goût pour chacun. On peut régler la transparence, vous voyez, la transparence du fond. On pouvait prendre même une texture qui est proposée par Excel. Alors, je sais pas, marbre blanc, ça donne quoi? Je préfère l'image. Je vais faire fermer et je vais. Hop, voilà. Bon, là, c'est que du détail, et j'ai mis un. C'est pareil, dans ma zone de graphique, j'ai oublié de vous le montrer. En bordure, couleur de la bordure rouge, et la largeur j'ai mis à 2 points. On peut choisir aussi notre style de trait. Si je fais ça, ça fait quoi? Je vois pas trop la différence. Ah si, il y a deux petits traits, mais je préfère non. Voilà, comme ça. Pareil, un petit. Comment dire, un petit bouton de commande d'une macro, c'est pour actualiser notre graphique. Alors c'est pareil, là je vais le décaler un tout petit peu. Voilà, bon, c'est du fignolage, hein. Je vais vous montrer la macro pour celui-là. Alors c'est pareil, j'ai fait enregistreur de macro, hein, ne vous embêtez pas. Alors elle est où, je ne sais plus, c'est pas celui-là, on va déjà le supprimer celui-là. Dans le module 2, il n'y a rien non plus, donc je vais le supprimer. Là, il n'y a rien non plus. Je vois dans le module 4, le voilà, mise à jour du tableau croisé dynamique paiement, c'est pas celui-là. Mets à jour les paiements reçus. Alors, je sais, ah bah, elle est dans le divers, je suis bête. Il doit être là-dedans. Actualiser graphique. Actualise le graphique des payés et des impayés, c'est pas ça. Actualiser répartition, le voilà. Vous voyez, c'est intéressant aussi de mettre un petit commentaire sur l'objet de notre macro, parce que quand on fait une recherche, on voit. Là, voilà la macro qui actualise le graphique là. Et donc, j'ai utilisé simplement l'enregistreur de macro. Alors, j'ai bien l'impression qu'il met aussi automatiquement à jour le tableau croisé dynamique qui est attaché au graphique. Bon, là, ça y est, on a vu cette partie-là. On va s'occuper maintenant de cette partie-là. On voit donc nos deux locataires. Il nous en manque un. On fait une petite actualisation. Ce que j'aurais dû faire avant, c'est mon tableau croisé dynamique. Voilà, c'est celui-là, bleu-bleu. Par contre, alors là, vous voyez ici, j'ai caché des. Donc, c'est un tout petit tableau, tout simplement, qui reprend les données de ça. Alors le nom à 24, le nom du locataire à 24. En deuxième, le total des sommes payées. Donc ça sera le total. Regardez, H24 T24, c'est simplement cette ligne-là. Avec dépôt de garantie aussi, hein. On prend aussi le dépôt de garantie. Et les impayés, et ben c'est le total de la ligne du dessous où apparaissent les impayés. Donc pour lui, il n'y en a pas. Par contre, ici, H29, T29,
on est bien en T29, donc ça sera le total de toute cette somme-là, de toute cette ligne-là, hop, de H à T. Ça sera tout ça. Et on voit bien, il y a un moins 200. Le voilà. Est-ce que, donc, je vais vous montrer, je vais en profiter pour, donc ça, je vais pouvoir le recacher maintenant parce que ça prend de la place. Et puis à la limite, on n'a pas besoin de le voir. Voilà, ça me rapproche mon truc. On va s'occuper de faire un petit, la même chose, c'est-à-dire une petite macro pour actualiser le tableau croisé dynamique, celui-là. Je ne sais pas s'il a un nom, celui-là, je ne crois pas. Ah, c'est le TCD3. Eh bien, c'est pareil, vous allez voir, c'est très simple. Je me mets donc je me mets sur le tableau croisé dynamique. Alors, développeur, enregistrer une macro. Donc, ici, on va lui donner un nom à cette macro. Papapapam, on va mise à jour, trait de soulignement, tableau croisé dynamique, TCD, tableau de soulignement, et on va mettre payer sans, comment dire, sans accent, hein, payer impayé. Si vous avez une autre idée pour le nom de cette macro, il n'y a pas de souci, hein. Là, alors maintenant, quand je vais cliquer sur OK, Excel va enregistrer tout ce que je fais. Allez hop, c'est parti. Voilà. Outils tableau croisé dynamique, actualiser. On va mettre actualiser tout. Je pense que ça va actualiser aussi le graphique. C'est terminé. Je n'oublie pas d'arrêter l'enregistrement. Et on va aller maintenant la voir, cette macro. Elle doit certainement se mettre là. La voilà. Ah non, ça n'a pas actualisé le graphique. Simplement le tableau croisé dynamique. C'est pas celui-là. Ça, c'était c'est des paiements. Ah, celui-là, alors il est où? Ah, il s'est mis dans le module A. Le voilà. C'est bizarre l'intitulé. Bon, bah, c'est ce qu'il a fait actuellement. Ah oui, à mon avis, il doit actualiser tous les graphiques et tous les TCD. Je pense que ça doit être ça. Bon, ça, bon, on peut le laisser tel quel. Hein. On va quand même libérer de l'espace ici. Supprime, voilà. Bon, c'est bon. Éventuellement, ce que je fais à ce moment-là, je coupe et je vais l'arranger un peu comme des tiroirs. C'est une macro diverse et je me mets bien à la fin et puis je colle. Ce qui fait que mon module 1 est bien vide et à ce moment-là, je peux le supprimer. Ce que j'aurais dû faire aussi ici. J'en profite, je le fais. Je coupe et. Non, annuler. Je coupe et je le mets dans le module macro diverse. Je colle. Voilà, et ça, je peux me le supprimer. Supprimer module 4 et le enregistrer. Voilà. Bon, il suffit, c'est toujours pareil, de mettre un petit bouton. Bah, si vous voulez, tiens, tout à l'heure on a mis l'image, je vous ai dit qu'on pouvait mettre aussi une forme, et bah, c'est ce qu'on va faire. Insérer une forme. Allez, on va mettre un petit rond. Non. Insérer une forme. Et je crois qu'il y a. On va prendre celui-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va déjà. Un effet biseau. Alors là, moi j'ai pris l'habitude de les mettre à 12. Okay. Et puis ce qu'on pourrait faire, on va changer le remplissage. Remplissage de forme, on va prendre, voilà, du clair. Et vous voyez, on a notre petit bonhomme. Et maintenant, il suffit simplement de lui affecter une macro. Affecter une macro. Alors, je veux bah, ce classeur. Et c'est mise à jour TCD payé, impayé. Ok. Vous voyez maintenant mon curseur qui se transforme en main. Hop, je fais une mise à jour. Bon, vous êtes étonné, bien sûr, de ne pas voir apparaître Madame Toinette, tout simplement parce que j'avais déjà fait des essais, elle était déjà créée et je l'avais cachée. Là, voilà. Alors, remarquez, j'ai oublié pour ce tableau croisé dynamique de vous montrer la source. Changer la source. Ah bah, c'est les fameuses. Ah bah si. Ok. Je vous montre,
On va donc remontrer les colonnes. Et donc la source de ce tableau croisé dynamique. Changer la source. Vous voyez ici tout ça et je me suis mis une marge à 5000. Ok, ce qui fait que maintenant dans mon tableau croisé dynamique, si je sélectionne tout, vous allez voir ce qui se passe. On a un truc vide qui correspond aux lignes vides ici. Il suffit simplement de jouer sur le filtre. Hop, on ne veut pas les lignes vides et on a un TCD beaucoup plus correct. Bon, à partir du moment où on a ce TCD, j'en ai donc tiré un graphique que voilà ici et on a bien donc nos trois locataires avec les sommes payées qui sont au-dessus de la ligne 0, c'est bleu. On peut, je crois qu'on peut changer la couleur hein, si on veut ici. Hein. Et en dessous, donc c'est négatif, on voit bien, c'est les fameux moins 200. Alors ça, c'est ce truc-là, c'est une étiquette de données que j'ai rajoutée. J'ai fait exprès de ne pas la rajouter ici, on va le faire ensemble. Allez, hop, je sélectionne donc je clique avec le clic droit de la souris sur un bâton bleu. Les trois sont sélectionnés. Clic gauche de... Non, clic droit de la souris. Je crois que tout à l'heure, j'ai fait la même erreur. Ajouter des étiquettes de données, les voilà. Et ensuite, maintenant, on va cliquer avec le gauche pour sélectionner les trois. Et avec le clic droit, on va mettre en forme les étiquettes de données. On va faire déjà un petit remplissage. Je vais décaler ça pour qu'on le voit. Je crois qu'on le voit tout de suite. Remplissage uni, alors pas en bleu. Bleu sur bleu, ça ne va pas se voir. Allez, on remet du jaune. Je trouve que c'est assez parlant. On peut donner un format 3D. Là, par contre, je le laisse à 6. Et on peut aussi déterminer la position des étiquettes. Alors là, c'est au centre de la barre. Bord intérieur, ça va se mettre en haut. Ou intérieur bas, ça va se mettre en bas. Moi, j'aime bien en haut. Voilà. Alors, il y a une petite chose que je vais vous montrer. Celle-ci, je vais la supprimer et on va la refaire. Alors. Clic droit, ajouter des étiquettes de données. Vous voyez, mon chiffre est en rouge, donc toujours pareil. On sélectionne. Et regardez ici, on a aussi celle-ci, ça correspond à comment? S'il y avait eu du négatif, ça aurait été là. Et comme il n'y en a pas, il va se loger tout en haut. Donc on va déjà, ce qu'on va faire, on va déjà s'occuper de les mettre en forme, ces étiquettes. Donc clic droit de la souris, mise en forme des étiquettes. Toujours la même chose, remplissage, on s'embête pas, ça va être en jaune, on le voit ici, on peut lui donner du format 3D, hop, c'est bon, ok. Moi, ce qui me gêne un petit peu, alors comme mon chiffre est rouge ici, il va se mettre rouge aussi ici, ce qu'on peut faire, c'est agir sur la police, à ce moment-là, clic droit de la souris, police. Et ici, on peut, bah, par exemple, le mettre en gras. Ok. Et regardez, c'est devenu gras. Par contre, ça, c'est vraiment pas utile. Par contre, j'ai fait avec le clic gauche de la souris qu'un seul clic. Hein. Il suffit de cliquer une deuxième fois. Il n'y en a qu'un seul qui est sélectionné. Je vais le supprimer. Et je supprime aussi celui-là. Je me suis trompé. J'ai supprimé tout. Voilà. Donc je recommence. Un clic, deux clics. Voilà. Les petits ronds me disent que c'est activé. Ici, il n'y a pas de petits ronds. Là, je peux supprimer. Alors, là, je l'ai fait, je les ai supprimés pour ces deux-là parce qu'il n'y avait rien ici. Mais imaginons que les mois suivants, il y ait quelque chose. Il faudra remettre, refaire l'opération. Donc, supprimer celle-ci et rajouter des étiquettes. Je crois qu'on a fait le tour du truc. Ah oui, si, je voulais vous montrer aussi. On va prendre le temps. Est-ce qu'on peut changer la couleur mise en forme? Alors là, ça sera la série de données. Couleur, remplissage. Vous voyez, c'est automatique. On peut faire remplissage. Comment? Changer la couleur. Bien entendu, on ne va pas prendre du jaune. Pourquoi pas prendre du vert? Autre couleur, on va choisir un vert, par exemple. Et vous voyez, vert c'est donc positif, rouge négatif. Bon, là c'est affaire de goût de chacun. Hein. J'étais habitué au bleu, je vais rester sur le bleu.
Voilà. Une petite pause et ensuite on s'occupera des formules de calcul parce que je crois que là on a tout vu. Alors bien entendu, le graphique pour les titres, vous pouvez les changer comme vous voulez, hein, ça, il n'y a pas de souci. Il suffit de se mettre ici et puis de changer le truc. Imaginons si je fais comme ça, j'entre et vous voyez, ça m'a fait ah. J'annule, voilà. Bon, mais je vais faire ma petite pause de clope et je vous retrouve. Bon, on va déjà s'occuper des formules pour les dépôts de garantie et les retards ou les impayés plutôt du paiement des dépôts de garantie. Voilà, alors, je vais travailler avec des captures d'écran de mes formules de façon à ne pas faire une fausse manip et de perdre ma formule. Donc, ça va concerner cette cellule-là, mais ensuite, on pourra faire un copier et un coller sans problème. Je veux donc savoir le total des sommes qui a été versé, enfin des sommes qui ont été versées par le locataire, donc ici Aubertin, au titre du dépôt de garantie. Je vais donc utiliser la fonction somme-ci ensemble. Et voilà comment elle se présente. Donc il me faut en premier la plage, ce que Excel appelle la plage somme, c'est-à-dire sur quelle plage Excel va faire les calculs. Alors j'essaye de rendre un peu plus visible ma. Comment? Mon image là, parce que je la trouve un petit peu trouble. C'est guère mieux. Voilà, ça c'est pour moi, c'est ça va mieux. Eh bien, la plage concernée par les calculs, c'est la colonne AF de la ligne 15 à la ligne 5000 de l'onglet financier. On va aller regarder ça. C'est simplement ça, de la ligne 15 jusqu'à 5000. C'est là où figurent les montants. Deux critères. Le premier, donc, est de connaître le nom du locataire que l'on va trouver en A24 pour le premier locataire. Et vous voyez ici dans ma formule, le voilà le critère A24. J'ai bien figé ma colonne A, mais pas la ligne pour pouvoir recopier ensuite la formule sur les deux lignes qui suivent. Et où est-ce que Excel va aller trouver Aubertin Jacques? Tout simplement dans la colonne AA de financier. Allez hop, on y va, on va regarder ça, la colonne AA, la voilà. Ça, c'est pour le premier critère. Le deuxième critère dont a besoin Excel, c'est comment la nature du paiement. Est-ce que c'est dépôt de garantie? Est-ce que c'est un mois, etc. Nous, on veut dépôt de garantie. Donc, ce qui se trouve en H23, qu'on retrouve donc ici. Et là, j'ai figé autant la ligne que la colonne, tout simplement parce que pour ici, ça sera toujours H23. Et ici, ça sera aussi H23. Et où est-ce que va trouver le terme dépôt garantie où est-ce que ça va être trouvé? Tout simplement dans le volet financier, la colonne AC. Ici, dépôt de garantie, dépôt de garantie, dépôt de garantie. Donc, je résume. La formule qui est inscrite ici est simple. Ça veut simplement dire, tu me fais le total des sommes qui sont versées par Monsieur Aubertin Jacques au titre du dépôt de garantie. Voilà, notre formule est terminée. On n'a plus qu'à la copier et à la coller ici. On va s'occuper maintenant du calcul de la différence. Je vais abaisser ça pour reprendre une deuxième capture. La voilà. Pour calculer la différence, enfin s'il y a un impayé ou pas. Je pose d'abord deux conditions à Excel pour qu'il fasse le calcul. Deux conditions qui doivent être remplies simultanément, donc avec le terme et. Bon, la première condition, c'est qu'il y ait un locataire d'inscrit en A24, ce qui est le cas. Et la deuxième condition, c'est que la différence entre le total des sommes versées au titre du dépôt de garantie moins le total, enfin le montant théorique du dépôt de garantie, ce soit différent de zéro. Si c'est égal à zéro, ça veut dire qu'il a payé totalement le dépôt de garantie. Si les deux conditions sont réunies, à ce moment-là, je dis à Excel de faire la différence entre le total des sommes versées au titre du dépôt de garantie par le locataire moins le montant théorique du dépôt de garantie. Je le fais dans ce sens-là, partant du principe que le locataire versera la totalité ou moins, mais jamais plus. Donc, petit chiffre moins grand chiffre, on aura ici un nombre négatif. Regardez ici, si je mets 250, vous voyez, on a moins 100. 250 moins 350 égale moins 100. Par contre, 350 moins 250, c'est égal à 100.
Et pour faire apparaître un chiffre négatif, donc j'inverse la soustraction et on aura à ce moment-là l'impayé qui apparaîtra ici. Si on fait 350 moins 250, ça apparaîtra au-dessus, dans la zone bleue de notre graphique. Voilà pour le dépôt de garantie. On va s'occuper maintenant du mois de janvier et ensuite on n'aura plus qu'à tirer la formule sur les mois suivants. Bon, pour le total des sommes versées au titre de janvier 2019 par le locataire, c'est exactement la même chose que pour le dépôt de garantie. Je vais agrandir ça. Ce qui change, c'est simplement la référence de la cellule. Alors, j'essaye de trouver le truc qui est visible, lisible, disons, le voilà. Donc, on utilise aussi somme-ci ensemble. Ma plage de cellules somme sera toujours la colonne AF de la ligne 15 à 5000. Vous pouvez mettre plus que 5000 si vous voulez, hein. Mon premier critère, c'est le nom du locataire, donc A24, avec la colonne A figée mais pas la ligne, de façon à pouvoir recopier en dessous. Et donc, où est-ce que Excel va trouver le nom du locataire? Dans la colonne AA de financier. C'est exactement la même chose que pour dépôt de garantie. Et par contre, le critère au titre de quoi, ça sera plus H23, mais ça sera I23. Alors, I23, la colonne pas figée, parce qu'après, on va passer sur la colonne J, K, L, etc. Par contre, la ligne, ça sera toujours la ligne 23. Voilà la différence entre les deux formules. Sinon, le calcul est le même. Je résume. Excel, ici, affichera le total des sommes payées par Monsieur Aubertin au titre de janvier 2019. Ici, ça sera au titre de février 2019, etc. Vous voyez, c'est pas compliqué une fois qu'on a bien compris le fonctionnement de la fonction. Il nous reste plus qu'à voir une chose. Je vais mettre ça en dessous. C'est le calcul de l'impayé. Je vais essayer ça, j'en ai plus besoin. Je vais le diminuer et c'est ça qui m'intéresse. Toi, tu dégages. Ça, c'est bon. Et ça aussi, que ça ne nous perturbe pas. Voilà. Je vais le ragrandir un peu de façon à ce que ce soit lisible. J'espère que c'est bon là. Parfait. On a déjà une situation où Excel ne devra rien afficher, surtout pas un zéro. J'aime pas voir afficher les zéros. Alors, les deux situations, alors je les ai résumées dans la fonction si ou, c'est-à-dire une condition ou une autre condition. Il faut pas que, c'est pas la peine que les deux soient simultanés. Alors, la première, c'est que le total des sommes versées au titre du mois de janvier 2019 moins le montant théorique du loyer, c'est égal à zéro. Ça veut donc dire qu'il a payé l'intégralité de son loyer. Donc, ce n'est pas la peine d'afficher un zéro. À ce moment-là, je dis à Excel, tu ne m'affiches rien. La deuxième chose, c'est tout simplement, et on le voit ici visuellement, c'est que le locataire n'est pas dans le logement. Donc, la date d'entrée en C24 est supérieure à la fin du mois considérée, donc 31 janvier 2019. Dans ces deux situations, Excel ne mettra rien. Maintenant, pour calculer l'impayé, à ce moment-là, il y a trois conditions. La première condition, c'est que ce total soit différent du montant du loyer. Alors, c'est ce qui va se produire et je pars du principe que le montant, le total est égal ou inférieur au loyer. Mais il faut donc qu'il soit différent. I24 différent de F24. Pareil, là, je fige F24 complètement, c'est-à-dire autant en ligne qu'en colonne, puisque je vais tirer ma formule jusqu'à la fin de l'année de façon horizontale. Il faut 24, sinon ça va se décaler, hein. I24, par contre, I24, c'est ça, donc je n'ai pas à le figer, puisqu'ici, ça sera J24. La deuxième condition, qui va vous paraître un peu illogique, mais elle est nécessaire, il faut que la date d'entrée soit inférieure à la fin du mois. Je fais un raisonnement à l'inverse. Je sais pertinemment que cette condition-là ne sera pas remplie. Si elle n'est pas remplie, Excel n'affichera rien. Bien entendu, les trois conditions que je mets là, elles doivent être remplies en même temps. Le et
Donc, j'ai posé le par principe que la date d'entrée doit être inférieure à la fin du mois. Je sais que ça ne sera pas respecté, donc il n'affichera rien. Ce qui est tout à fait logique, le logement n'est pas occupé. On le voit par la couleur grise. Et la dernière condition, c'est que la date du jour, souvenez-vous, donc on la trouve, donc c'est ce jour, on le trouve ici, hein, bien entendu, d'où vous voyez pourquoi j'avais marqué la date du jour aujourd'hui, fonction aujourd'hui. Donc il faut que la date du jour soit supérieure à I21, c'est-à-dire la fin du mois. En d'autres termes, et en français, je considère que tant que le mois n'est pas terminé totalement, à ce moment-là, ce n'est pas un impayé, mais c'est un retard de loyer. Tant qu'on est au mois de janvier et que le locataire n'a pas payé l'intégralité, rien ne s'affichera. Il faudra attendre le 1er février pour qu'il y ait quelque chose qui s'affiche ici. C'est ce qu'on voit ici, par exemple, puisqu'on est le 12 septembre et ici, vous voyez, 31 août, donc il l'affiche. Si on avait été le 31 août, oui, si on avait été le 25 août, ça ne s'afficherait pas. Tant que le mois n'est pas terminé, je ne considère pas qu'il y a d'impayé. Bon, c'est ma façon de penser, hein. Vous pouvez moduler la formule en fonction de votre situation, bien entendu. Alors, tant que ces conditions-là, ces trois conditions-là ne sont pas remplies, Excel n'affichera rien. Par contre, si elles sont remplies toutes les trois en même temps, Excel va calculer la différence entre donc I24, le total des sommes versées au titre du mois en considération, moins le montant du théorique du loyer, toujours pareil, pour voir afficher un chiffre négatif, partant du principe que le locataire payera moins, voire la totalité, mais jamais plus. Et bien voilà, vous voyez, c'est très simple. Alors, une fois qu'on a copié, enfin qu'on a cette formule-là, bien entendu, on peut la recopier sur les suivantes. Avec une petite précision, bien entendu, je vous le montre tout de suite, je vais faire copier et ici je vais coller. Donc pour Aubertin, effectivement, on a Aubertin, le voilà. Aubertin, on est sur la ligne 24. Par contre, Dupont-Martin, on est sur la ligne 26. Et vous voyez comme j'ai figé totalement cette cellule-là, ça reprend 24. Il suffit simplement à ce moment-là de changer manuellement les 24 en 26. 24, 24 ici. Donc ça sera du 26, 26, 26 et hop. 26. Alors je revérifie bien. Le 21 ne bouge pas, la ligne ne bouge pas, ça sera la colonne qui bougera. Quand on passe au mois de février, bien entendu, je vérifie. Donc je n'ai plus de 24, je peux faire une entrée. Et après, bien entendu, allez hop, on tire la formule jusqu'à la fin de l'année. On s'est déjà fait voir. Hein. Voilà l'explication des formules. Ça peut effectivement paraître un peu barbare ici, mais une fois que vous comprenez comment fonctionne cette fonction, hein, comment ça Excel raisonne, vous arriverez facilement à formuler votre fonction. Eh bien, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas surtout, hein, n'hésitez pas à m'interpeller s'il y a un point où je n'ai pas été clair. À ce moment-là, je referai un petit tuto en essayant d'être plus précise. Je vous dis à très bientôt. Je n'ai aucune idée sur le prochain tuto. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les soumettre. Et puis, une dernière petite chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, bien entendu, et à m'envoyer des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Au revoir et à très bientôt.